Alors salut, vous allez aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour un ne choisissez pas la mauvaise grotte sur Minecraft. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, nous avons trois géantes grottes. Alors trois grottes dans lesquelles on va devoir rentrer pour cette vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, on a juste ici la grotte de Ladybug. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est une grotte plutôt stylée. Donc on va devoir y rentrer pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. On va avoir aussi la base d'Annabelle. Donc voilà, la grotte d'Annabelle qui doit être un petit peu effrayante. Comme vous avez pu le voir, c'est totalement en train de brûler tout. Donc j'ai pas m'approcher de ça parce que c'est brûlant. Et les amis, on va finir la vidéo avec la base de Chucky. Alors les amis, par contre là c'est une base vraiment super sécurisée, parce que comme vous pouvez le voir, la grotte est faite en aluminium, donc en bedrock, et franchement ça va être vraiment du solide. Voilà, donc si tu me découvres ça sur cette vidéo, pardon, n'hésite pas dès maintenant à t'abonner à la chaîne en mettant la cloche de notification. Comme ça dès que je sors une vidéo tu es le premier averti, et tu peux aussi être le premier à regarder ma vidéo, et ça franchement c'est super génial. Tu peux être le premier vu, et ça franchement pas tout le monde peut le faire. Voilà, et aussi n'hésite pas aussi à mettre un gros pouce bleu. Les amis, aujourd'hui je vous donne un objectif, c'est que tout le monde s'abonne à la chaîne et mette un pouce bleu avec son menton. Donc voilà, vous cliquez tout sur le bouton s'abonner, le bouton j'aime avec votre menton, et tous ceux qui arrivent je vous ferai une grosse dédicace dans une prochaine vidéo. Voilà, bon, et bien les amis, on est directement parti pour la première partie de la vidéo. Donc voilà, comme vous avez pu le voir juste ici, on a la base de Ladybug. Donc on va y rentrer avant de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Enfin, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est parti, hop, on rentre là-dedans. Et what, wow, c'est quoi ça? Ça sent super mauvais. What? Les gars, mais il y a Ladybug, elle est en train... Ah les gars, il y a Ladybug, elle est en train de vomir. Wesh, what the fuck? Ladybug, mais tu fais quoi là? What, arrête. Ah mais c'est horrible ta base, mais y a du vomi partout là. Ladybug, ça va? Ah mais t'es dégueulasse. Arrête ça Ladybug, t'es horrible. Attends mais Ladybug, tu vas bien? Non, je me sens pas bien. Tu te sens pas bien? Bah tu m'étonnes, tu te sens pas bien, tu vomis et tu chies partout là, c'est quoi ce bordel? J'ai envie de vomir. Mais t'es dégueulasse. Attends, je vais lire ta mission. Alors ok, bon, la mission de Ladybug. Alors Ladybug est malade, fais-lui un remède pour qu'elle arrête de faire caca. Mais what? Mais les gars, mais Ladybug elle est dégueulasse. Attends, écoute Ladybug, on va faire un truc. Tu sais quoi? Si jamais t'as envie de faire quoi que ce soit, si jamais t'as envie de vomir ou un truc comme ça, viens vers ici. Attends, viens vers ici, tac, je vais te mettre un seau de lave. Donc du coup voilà, comme ça au moins son truc va directement partir. Non, là-dedans. Si jamais tu te sens pas bien, tu vas là-dedans et tu fais ok. Voilà, mets-toi ici là. Non, mais tu mets pas dedans. Fais attention, ça c'est chaud hein. Ok, bon les gars, Ladybug, je crois qu'elle a pas vraiment compris comment ça marche. Bref, donc, on va devoir, mes amis, construire dans cette vidéo, on va devoir faire un remède à Ladybug pour qu'elle arrête de faire caca partout. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait un remède contre ces maladies? Moi, je suis pas médecin, je suis pas docteur, mais j'ai quand même essayé de trouver un truc. Alors, c'est parti. Donc, comme vous le savez, pour faire des remèdes, on a besoin d'alambic avant toute chose. Hein. Donc, du coup, on va poser un alambic juste ici. Voilà. On va maintenant, les amis, avoir besoin de différents ingrédients. Donc, on va avoir besoin de fioles d'eau. Donc, on va essayer d'en prendre 3 petites fioles d'eau. Donc, du coup, voilà, hop, 3 fioles, nickel. Qu'on va ranger dans leurs endroits. On va ensuite, les amis, devoir prendre du truc de Blaze. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, c'est de la poudre de Blaze, exactement. Qu'on va placer pareil à son endroit. Et maintenant. Oula, Ladybug, doucement. Doucement, Ladybug. Et on va prendre, les amis, des verrues du Nether, tac, voilà. Bon, et donc du coup les amis, comme vous avez pu le voir là, c'est totalement en train de faire une distillation. Ladybug, t'es sûr que tu vas bien? Non. Ok, bon, tu sais quoi, je vais te faire un médicament. Ouais, je... Les gars, mais je sais même pas, Ladybug, elle est vraiment super malade en fait. Ok, d'accord. Bon, on va devoir, les amis, finir d'attendre que ça chauffe, voilà. Donc comme vous avez pu le voir, on a deux... Ça va Ladybug? Pas trop malade? Si. Si, ok, bon, ok, mes amis, Ladybug, elle est malade, je crois que vous l'avez reconnue, je crois que vous l'avez plutôt vu, quoi, qu'elle était malade. Bon, du coup, on va finir, les amis, la mission, donc du coup, on va maintenant mettre un œil d'araignée fermenté pour finir la potion. Et donc, du coup, on se retrouve dans quelques instants, dès que les potions seront finies, à tout de suite. Mais normalement, la potion est maintenant... Oh, les gars, il y a Ladybug encore en train de chier, mais ouais, les gars, Ladybug, elle est vraiment super malade. Bon, du coup, on va maintenant récupérer les potions de soins. Bon, Ladybug, t'es là? Oh, Ladybug. Oh. Ouah les gars, Ladybug elle est en train de détruire les toilettes. Bon, du coup voilà Ladybug, normalement... Oh c'est horrible les gars. Bon, normalement Ladybug tu vas devoir boire ces 3 potions et d'un coup tu vas te sentir beaucoup mieux. Bois les 3, t'en as plus que 2. Wow, je me sens mieux. Alors comment tu te sens maintenant? Clairement mieux. Oh là là. Mais t'es le meilleur. Tu es trop fort. Bon les amis, comme vous avez pu le voir, Ladybug apparemment ça sent beaucoup mieux. Bon bah du coup, est-ce que t'arrives pas à une petite récompense à m'offrir maintenant que j'ai fini de te faire tes petites potions? Et que tu te sens d'ailleurs beaucoup mieux grâce à moi aussi.
Tu sais qu'est-ce que tu vas m'offrir? Tu vas m'offrir quoi, Lady Je vais t'offrir ça. Fais voir, c'est regarde. Quoi mets, mets-toi là et regarde le mur. Ok, je regarde le mur là, ici, là. Ouais. Ouais, vas-y, dis-moi ce que tu vas m'offrir. Ok, mes amis, c'est parti. Ah, elle est en train de faire caca, wesh. Ah, mais elle est dégueulasse, c'est du mec. Bon, et bah du coup, les gars, moi, je pars, hein. Lady Bug, elle est horrible. Oh. Ok, regarde. Voilà, les amis, je vais refermer Lady Bug, après, je vais sortir. Bon. Eh bien les amis, j'espère en tout cas que la base de Ladybug vous a plu. On est directement maintenant parti pour la deuxième base, la base d'Annabelle, c'est parti. Go du coup les amis, dans la deuxième base du jeu, de la journée, pardon, donc du coup la base d'Annabelle, comme vous pouvez le voir juste ici, vous avez vu que la base d'Annabelle est totalement en feu, donc vous avez pu le voir, hein, y a du magma de partout. Donc c'est parti, on va rentrer encore une fois. Oula, oula non, ouais, ça va Annabelle? Bonjour. Pourquoi tu m'as enfermé là? Je t'ai fait quoi ou qu'est-ce qui se passe? Il t'arrive quoi? Pourquoi pas? Non, 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 pourquoi pas, ok, mais pourquoi tu m'enfermes? Va. Non, mais pourquoi tu m'enfermes? Va. Ok. What, les gars, mais elle est trop bizarre, Annabelle. Oh, mais wesh, mais elle veut me tuer ou quoi, Annabelle? Attends, ouais. Vas-y, là, je viens, c'est ça, je monte là-haut? Oui, monte. Ouais. Ok, bon, là, là tu fermes pas, c'est bon. Ok, nickel. Lis le panneau. Bon. Ok, bon, je vais lire les panneaux. Apparemment, Annabelle veut que je lise les panneaux qui est écrit juste ici. Alors, du coup, on va les lire. Alors, retrouve les vêtements à Annabelle et décore sa... et redécore sa base. Ah, parce que t'aimes pas ta base, comment elle est décorée, là? Non. D'accord, donc du coup, tu veux que je redécore ta base et que je retrouve tes vêtements? Et vite. Et vite, oui, oui, mais ça va, ça va. On va se détendre, déjà. Et ok, vas-y, bon, bah, du coup, c'est parti. Je vais me mettre à travailler ta base. Donc, du coup, alors, juste ici, on a une porte qui est donc située juste là. Donc, tac, on va aller regarder un petit peu. Qu'est-ce... Oula, d'accord, ok. Ok, donc il écrit un truc bizarre. Bon, du coup c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a ici. Ok, donc ici on a le jeu Minecraft, le jeu de l'iPhone X, et on a du Fortnite. Alors les gars, je sais pas si vous avez vu, mais ici il y a des iPhone X, et les gars, les iPhone X, ils sont en fer, donc tac, hop là. Qu'est-ce que tu fais? Ah, rien, 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 t'as récupéré ton truc. Repose. Mais j'ai rien. Tout de suite. Ah, oh, ok, 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 pardon. Ou je te tue. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, voilà. Merde, merde. Voilà, tiens, c'est bon. C'est bon? Encore un. Non, mais il n'y en a pas d'autres, je vois pas de quoi tu Encore parles. Encore un. Je vois pas de quoi tu parles. Encore un. Bon, allez, on fait... Wow, 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 ok, ok, tiens, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, tiens. Voilà, c'est bon, je t'ai donné le dernier. C'est bon? C'est bon, oui? Pas mal, pas mal, ouais. Pas mal, bah oui, bah j'ai rien d'autre aussi, donc ok. Bon, alors, qu'est-ce qui est écrit ici? Retrouve les vêtements Annabelle et redécore sa base. Alors du coup on va devoir chercher des vêtements dans ta base. Alors bon bah du coup il n'y a pas de vêtements ici. Est-ce que derrière ce tableau il n'y aurait pas un endroit où je peux sauter pour rentrer à un endroit spécial? Alors on va regarder dans F5, alors attention. Est-ce que le tableau cache quelque chose? Bah apparemment il ne cache... Attendez, j'ai vu un truc là. Non, ok, donc le tableau ne cache rien. Donc c'est parti, on va regarder maintenant dans cette base secrète s'il n'y a pas un truc de caché. Oh, mais voilà, mais ils sont là tes vêtements Annabelle. Mais dis donc, mais t'es bigleuse toi ou quoi? Eh ben ouais alors. Et c'est qui ça Lil Nas X? C'est pas celui qui chante I got the horse in the back. Wena wena na. Nana wena na. C'est lui? Ouais. Ouais, ah mais je le connais alors Lil Nas X. Mais non. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez vous aussi Lil Nas X. Vous savez c'est celui qui chante Hey, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can no more. Bah tu connais hein? Ouais mais c'est pas lui. C'est pas lui, d'accord, c'est encore un autre Nas X. Tu connais un certain... Oh putain. Moi je connais... En Lille, bah attends, je vais te dire les Lille que je connais. Alors moi je connais Lille... Non, 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 pas de Lille, pas de Lille. Ah, tu parles tu de Nazis. Tu connais un certain Hitler. Wow, wow, ok, bon les gars, allez, moi je me casse. Je me casse les gars, wow. Annabelle, c'est une grande folle. Oh, tu vas aller où, elle toi me parle de... Elle me parle d'Hitler et tout, ouais, mais c'est une folle. Ok, bah allez, moi je pars. Reviens là, toi. Tac. Ouais, reviens là, tu ne vas non, pas sortir. Non, si, c'est je sors, allez, bye bye. Allez, les gars. Ouais, mais les gars, mais attendez, mais elle a cassé la... Allez, bon et moi je cours hein. Allez bye bye. What les gars, hey, franchement cette Annabelle c'est une grosse J'arrive. Folle. C'est une grosse cagette. Oh, elle est folle cette Annabelle. Bon, du coup vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va skipper maintenant pour la partie d'Annabelle et on se retrouve dès que j'ai réussi à brain Annabelle pour la base de granier. Allez, à tout de suite. Les amis, je suis parti l'espace de 5 minutes et regardez qu'est-ce qui vient de spawn juste devant moi. Il y a des sortes de taches de sang un petit peu devant la maison à Chucky. Ça commence vraiment à me faire peur cette histoire. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer directement. Alors comme vous avez pu le voir, c'est la base de Chucky. Donc c'est parti, tac, on va rentrer. Alors bon, pour l'instant, je vois rien. Donc c'est parti, on va rentrer à l'intérieur. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, bon, du coup, je suis dans la base à Chucky. Retrouve l'argent à Chucky. Oh, wow, wow, mon argent. Coucou Chucky, ça va? Coucou. Tu vas bien?
Ça va. Ouais, tu fais quoi là? Eh ben, je cherche mon argent, mais... Ah, tu cherches ton argent et tu veux que je te le retrouve, c'est ça? Ouais. Alors attends, on va regarder un petit peu où est-ce que je vais pouvoir trouver son argent. Alors, ici déjà, on a un enclume, alors est-ce qu'il y a de l'argent dedans? Non, d'accord, ok. Bon, je vais aller dehors s'il n'y a pas une pièce où il y a ton argent qui pourrait être mis. Alors bon, ici, je peux voir qu'il n'y a rien, là, il n'y a rien, et... Oh, d'accord. D'accord, ok, bon ouais t'as raison, y'a rien. Les gars, y'a Chucky qui m'enfermait avec des blocs invisibles. Oh, ok. D'accord, c'est quoi ça? Oh ouais d'accord, y'a des blocs invisibles et tout ici. Attends, j'essaie de faire un jump parce que je crois qu'ici, je crois que si je comprends bien, y'a un jump à faire, genre un truc comme ça. Ah d'accord, y'a un coffre là-haut. Ok, donc il doit sûrement y avoir l'argent dedans. Ok, bon bah du coup c'est parti. On va essayer de faire le jump comme ceci, donc c'est parti, vous êtes prêts, tac. Hop, hop, ok. Bon, en fait ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'arrive à faire ce jump là et après je vais pouvoir aller récupérer l'argent de Chucky. Regarde, je vais t'aider. Hop là. Vas-y aide-moi. Mais non mais tranquille, en vrai ça va, moi je sais comment faire. Non reste trop facile, si tu restes, reste trop facile. Vas-y tac, vous êtes prêts gars, hop, hop. Non les gars, j'y suis presque. Allez, vous êtes prêts, attendez, tac. Hop. Ah mais ah d'accord, il faut monter par ici. Mais attends, mais moi je vais te faire un chemin un peu plus compliqué, genre comme ça. Oh mais je suis presque les gars, mais ouais c'est trop compliqué, attendez. Hop. J'y suis. Ouais mais ouais, j'y suis presque moi aussi, attendez. Ah c'est bon. J'y... Non. Non. Me dis pas que... What? Mais t'es sérieux Chucky? Mais attends, mais je peux monter par où du coup? Mais attends, mais les gars, y'a Chucky qui a mis des blocs comme ça de partout. Tu es bloqué. Mais non, mais Chucky, c'est pas drôle si tu me bloques. Attendez, mais je peux même pas faire ton jump. What? Mais Chucky, mais attends, mais regardez Chucky, elle a mis des blocs invisibles. Enfin, Chucky, il a mis des blocs invisibles de partout. Mais je peux monter par où alors, Chucky? Là, je veux récupérer ton argent, moi. Tu peux pas monter. Mais y'a bien moyen de monter. Tu peux pas sortir non plus. Fais voir. Oh, les gars, y'a Chucky qui m'a totalement enfermé, regardez, je peux même plus sortir, y'a des blocs invisibles de partout dans cette base, regardez-moi ça. Regardez les gars, y'a des blocs invisibles de partout. What? Non mais Chucky, s'il te plaît. Je peux te tuer en paix. Non mais libère-moi Chucky, s'il te plaît, je suis gentil. Je te fais tout ce que tu veux si tu me libères. Si tu me libères, je te fais tout ce que tu veux. Fais-moi un massage des pieds. Ok, vas-y, bah mets-toi ici là, comme ça je te peux te masser les pieds là, mets-toi ici. Voilà, allez, t'es prêt, vas-y, 1, 2, 3. Ça te fait du bien? Ça va, ça attends, va. Je continue. T'es pas trop mal hein? Je suis pas trop mal en massage, c'est ça? Allez vas-y bah je continue. Non. Alors t'aimes bien? Ouais mais... Allez libère-moi s'il te plaît Chucky, je suis gentil avec toi, promis et on... Je te libère juste après t'avoir tué. Bah oui non mais moi non, je serais pas libéré vivant. Si tu me libères vivant, tu sais quoi, je te ferai une dédicace dans ma prochaine vidéo. Ok. Voilà, allez libère-moi. Bah... Récupère mon argent d'abord. Ok, moi c'est parti, je récupère son argent, donc du coup les gars c'est parti, let's go, tac, on va récupérer l'argent, Chucky, tac, hop, on va passer par ici, et par ici, yes. Wouah, mais ouais, je m'étais trop riche Chucky en fait, mais mec, elle vient d'où tout cet argent là? Ça vient d'où tout cet argent? De YouTube. De YouTube, wouah, mais t'es blindé de thunes en fait Chucky. Ouais. Ok, je suis bon. Un peu comme toi, blindé, et non, YouTuber. Moi je suis pas blindé, Ouais. Moi je suis un peu pauvre dans YouTube, tu vois, genre je gagne 5€ par vidéo. Voilà, bref, du coup c'est parti, tac, on va faire ça, du coup, let's go. Bon, et bien du coup j'ai récupéré 5 stacks de bits de 50, donc 5 stacks de plein d'argent. Bon bah écoute, je pense que ça va te perdre, donc du coup, tac, voilà. Hop, je te donne tout ton argent. Non, tac, merde, j'ai vraiment tout donné à Chucky, ça fait exprès. Les gars, je voulais regarder pour moi. Non, t'as pas tout donné. Si, si, j'ai vraiment tout donné, le pire c'est que c'est... J'ai pas fait exprès, mais je t'ai tout donné. Merde. Bah attends, attends, redonne-moi tout et moi je te redonne tout, t'inquiète. Vas-y, redonne-moi l'argent, moi je te donne pourquoi tout. Pourquoi? Oh, mais juste comme ça. Allez, vas-y, libère-moi. J'ai pas envie. Ah bon, bah au moins je vais te libérer. Bon les amis, okay, comme vous avez pu le voir, je crois que Chucky m'a libéré. Allez, vas-y, tac, casse ici, hop, mets un gros coup là-dedans et comme ça je suis libéré. Allez, Chucky. Tu sais quoi, je compte jusqu'à 3 et à 3 t'appuies, ok? 1... 2... 3. Et maintenant t'appuies ici aussi, là où je suis. Alors, 1, 2, 3. En plus, encore. Bon les amis, vous savez quoi, moi je vais casser moi-même parce que là, hop là c'est bon. Voilà, bon les amis, du coup moi je suis enfermé ici de bedrock, comme ça Chucky on est sûr qu'à voir par... What, tu casses la bedrock? Mais what les gars, il y a Chucky qui s'est cassé la bedrock. Bon, et bien du coup voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Comme vous avez vu, aujourd'hui j'ai fait... Je choisis pas la mauvaise grotte. Les 3 grottes ont été vraiment super spéciales. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle était votre grotte préférée. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche de notification. Et sur ce, moi je vous souhaite à tous une très bonne journée, bonne fin de soirée et à la prochaine. Allez, ciao ciao.